Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va se faire une petite ouverture Minute Inbox. Alors, est-ce que tu l'auras deviné de la série que l'on va ouvrir? Bah oui, forcément, c'est écrit dessus. On est sur Pokémon Go avec ce magnifique Pikachu et Meltan à côté. Franchement, elles sont plutôt jolies. Le gros bémol, tu l'auras compris, c'est le scellage dégueulasse qu'ils ont proposé. Et il y a du jeu sur le scellage, je te l'avais déjà montré. Ça, c'est vraiment pas top. Ils l'ont abandonné, ils l'ont vite compris. Alors, c'est certainement écologique puisqu'il y a moins de plastique. Mais bah, c'est que ça scelle pas du tout la boîte. Et après, ils sont passés à ça. Donc ça, c'est version 151, donc c'est sorti plus tard. Et là, ils ont augmenté la taille du blistage, tout simplement. Et là, bah, tu peux plus faire coulisser le scellage, hein. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est quand même beaucoup mieux, mais moins écologique, tu l'auras compris. Alors, on va voir ensemble si... Alors, rappelle-toi, ça, c'est un item que j'ai trouvé, comme ça, je préfère le dire, parce que certains me posent la question, etc. Est-ce que c'est trouvable encore en ce moment? Je l'avais acheté, c'était 6 euros, 6,50 €, je me souviens plus, en promo à Carrefour, voilà. Tout simplement, c'était, je sais pas, novembre, décembre, quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, si tu me suis depuis un petit moment, tu as dû le voir hein, sur la chaîne, c'est arrivé. Allez, on y va. Alors, on va le déceler comme ça. Hop. Oh, miracle. Donc, tu l'auras compris, c'est un petit peu facile. Et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Au vu, il y a un jeton. D'ailleurs, est-ce qu'il te donne l'information? Deux boosters, une pièce métallisée, un jeton quoi. Et une carte artistique. Oh, mais trop, trop bien. On a une carte artistique, trop sympa. Bon, allez, on y va, let's go. Alors, je trouve que la Pikachu, c'est la plus jolie, mais bon, c'est pas... ça change pas grand-chose. On retrouve... Franchement, le jeton est classe. Alors, je sais, peu de personnes apprécient le jeton, mais ce Pikachu est vraiment réussi. Après, on a la petite carte illustrée de Pikachu. Et t'as ces informations, c'est le numéro 25 qui fait 40 cm et 6 kg. Notre petit Pikachu. Et on retrouve nos deux boosters. Alors déjà, on a deux boosters, c'est déjà pas mal. Tu l'auras peut-être compris. Et on a, bon, ben ça, je sais pas s'il y en a qui l'utilisent encore. Les numéros, je sais pas, en tous les cas. Chaque code imprimé sur cette carte déverrouille une récompense dans Pokémon Go. Ben vas-y, hein. Le code doit être échangé à... Aïe, aïe, aïe. Code à usage unique, 1er juillet 2023. Donc, ça marche plus. Allez, on va remettre tout ça dans sa petite boîte. Et alors, on va les peser, tiens. Est-ce que c'est pesable ou pas? Alors, est-ce que, franchement, est-ce que c'est pesable des boosters Pokémon Go? Eh bien, on va le voir au travers de cette vidéo. Let's go. Allez, on allume ça. Et on a un 22-32. Deuxième booster. 22-32. 37. Plus léger, c'est celui-ci. C'est celui-ci qu'on va ouvrir en premier. Franchement, j'y crois pas trop. Que ça soit pesable. Des boosters. Ok, alors je me souviens même plus. C'est lui le plus léger. Toi, tu le sais, hein, mais moi, j'ai une mémoire. C'est instantané. Hein. C'est pire que le poisson rouge. Voilà, tu vois, j'allais me planter. Hein. Celui-ci, c'est le lourd. Je revérifie. Voilà, ça, c'est léger. C'est comme je t'ai dit, hein, moi, c'est vraiment. C'est... Alors, qu'est-ce qu'on va chercher sur cette série-là? Alors, Pokémon Go, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des cartes qui sont quand même pas si peu chères. Et en plus, c'est marrant parce que... ça a l'air bon. Alors, et en plus, normalement, c'est une série qui est plutôt, j'ai envie de dire plutôt généreuse, assez généreuse, et que tu trouves par pas trop trop cher. Donc c'est pas si mal Pokémon Go. Je sais, c'est une série que peu de gens apprécient. Mais c'est pas si mal. Ah, je crois qu'on a... Alors en plus, on a l'impression qu'on peut deviner s'il y a des hits. Parce que je crois qu'il y a des cartes qui sont un petit peu plus grandes. Alors ça, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais j'ai l'impression que les cartes... Alors est-ce que ça gêne dans un boîtier de gradation? Franchement, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que c'est légèrement... Alors normalement, dans un boîtier de gradation, c'est pas trop trop grave. Parce que je crois qu'il y a un petit bord en plus. Mais bon, allez savoir. Capitaine d'équipe. Ah, franchement, la série était belle. Hein.
Ça n'a pas du tout plu, mais franchement, alors, au début, ça a plaisé quand même. Flagados. Franchement, tu peux pas dire que la série va belle. Regarde, Ramolos. Franchement, c'est cool. Hein. Bon, Castorno au moins, hein, déjà. Mimigal, mais attention, Mimigal peut cacher un petit métamorphe. C'est pas mal aussi, c'est pas mal. Bon, bon, lui, c'est pas fou. Ratatadol. Ah ouais, pourquoi pas. Allez, on commencera tranquillou avec Steelix. Mais bon, plutôt pas mal. Ah non, oh, j'étais quasiment sûr, mais non. Et on a la tiasse. Bon, ok, j'ai fait une ouverture pour Raph. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Rappelle-toi qu'on a ouvert le booster dit léger. Maintenant, on a le booster dit lourd. Et tu vas voir que c'est là où on va dropper quelque chose. Ça serait hallucinant. Je t'avoue que j'y crois pas. Hein. Bon, tu vas l'ouvrir. Allez. Quoi qu'en deux boosters, on pourrait. Hein. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est des boosters qui s'ouvrent un petit peu plus difficilement. Donc, c'est plutôt rassurant. 1, 2, 3, 4. Allez, alors n'oublie pas qu'on peut avoir aussi des radieux, et ça c'est plutôt pas mal. Ouais, j'ai l'impression que c'est le fail. C'est la box fail, tu l'auras compris. Xatu, Flagados, Celeroc, Meltan. En ce moment, mes ouvertures elles sont nulles. Hein. Franchement, ne regarde pas. Tu peux couper, tu sais qu'il n'y aura rien. Je t'assure. Et regarde, franchement, Evoli. C'est la classe quand même. Commune, hein. Pikachu, tu vas pas me dire que c'est pas top. Commune encore une fois. Carapuce, tu vas pas me dire que c'est pas top. Quand même, ils ont fait des... Bon, ben voilà. Ça s'appelle une ouverture flop. Mais enfin, encore une fois, les cartes sont quand même jolies. Bon, je sais, Pokémon Go, c'est nul. Parce que les cartes sont pas chères. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien. Et tu verras qu'on en reparlera d'ici quelques années. Je suis pas sûr qu'à un certain moment, les gens se rappellent de dire « Ouais, la série Pokémon Go, elle est pas si nulle. » Allez, je te dis à bientôt.